les rats ne laisseront pas faire. Ils sont contents maintenant. Les rats n'auront pas d'autre choix que d'aller au diable. Ils vont se défendre. C'est rien que des animaux stupides, Hugo. Nous, les trois humains, malins et forts. Je sais pas. Dis-moi vers quel brasier tu veux aller. Je dégagerai un chemin. Viens, tu peux lâcher. Viens. Sophia, éclaire le chemin pour... Restez dans la lumière. Ouvre-nous la voie, Sophia. Restez près de moi. Ça ira comme ça. D'accord. Éclaire le chemin pour nous. Restez de lumière. Restez près de moi. Ne va pas trop loin, il commence à faire trop sombre. Arrête maintenant! Bien sûr. Sophia, éclaire le chemin pour nous. Restez avec moi. Les prismes reçoivent peu de lumière ici. Attention. Sophia, ouvre-nous un passage. Restez dans la lumière. Restez près de moi. Regardez, c'est le survivant. Restez à distance. On va vous aider. Ça va s'arrêter. C'est trop tard. C'est tout détruit. Hugo! Ce chariot. Oui, ça nous protégera. Il y a quelque chose sur le sol. Une poutre. Ça paraît lourd. Il faut trouver un moyen de la bouger.
Tenez-vous prêts. Restons à proximité. Ouh, c'était moins une. Dans la lumière. Ça ira comme ça. Bien. Ouvre-nous la voie, Sophia. Restez avec moi. Sophia, ouvre-nous un passage. Restez près de moi. Sophia, éclaire le chemin pour nous. Restez dans la lumière. Là-haut, c'est là. C'est bon, tu peux lâcher. D'accord. Monte, vite. Monte, allez. D'accord. On y est. Enfin. Quand je pense que c'était juste sous notre nez. Alors, Basilius, où es-tu ? Où est-ce que tu caches ton trésor le plus précieux ? Sous terre. Oui. Et il doit être juste en dessous. La carte pourrait être le point d'accès. On va la briser ? J'ai l'impression. Dire que cette île, c'était juste un point sur une carte pour moi. En y repensant, nous, on ne savait même pas qu'elle existait. Thank you.
Reste là, d'accord ? Prête. Pousse. Ouh ! Ça fait un bien fou. Pauvre carte. Oui, c'est dommage parce qu'elle était très vieille. Ouais. Allez, viens. Une galerie. Ils l'ont condamné. Mais pour quelle raison ? Allons voir. On y est. Viens ! Il fait trop nuit. Mais la nuit a peur de toi aussi. Un peu de lumière, et elle disparaît. Descends, ça va aller. Regardez, ça mène quelque part. C'est ici. Je le sens. Personne n'est venu ici depuis très longtemps. Me lâche pas la main. Bien sûr que non. T'inquiète pas. Il fait de plus en plus noir. Je vais nous éclairer. Je veux bien. Attendez, il se passe quelque chose. Oh, pitié, non. Oh ! Bonté divine. Regardez la taille de cet endroit. C'est quoi, ça ? Une espèce de temple. On dirait... Oui. Sur le sol, regardez. C'est encore le symbole de l'ordre. Oui. C'est bien ici. Basilius est là. Quelque part. Qu'est-ce que c'est ? Il y avait quelque chose dedans. Ça a disparu depuis longtemps. Continuons. Regardez cette porte. Quel chaos. Que s'est-il passé ici ? Ces traces. Il y a eu une explosion ici. C'était un accident ? Je dirais qu'on les a faites sauter. Oui. Quelqu'un voulait vraiment rentrer. Allons voir le reste. Il y a eu une autre explosion ici aussi. La porte est détruite. C'est forcément elle. Aelia. Elle s'est enfuie de la chapelle. Elle a détruit tout ça ?
Elle voulait reprendre Basilius. Elle a forcé le passage. On est sur sa piste. Il y a un espace derrière. Essayons de passer. On va vraiment passer par là? Ne t'inquiète pas. Ça tient depuis des siècles. On s'enfonce encore. J'espère qu'on va la retrouver quelque part. On verra bien. Attention en descendant. Oui. Un glissement de terrain. Si c'est Aelia, elle a tout mis sans dessus-dessous. Elle avait peur pour Basilius. Elle avait raison. Attendez, ces barils, ils sont remplis de feu crégeois. C'est pas une arme, ça? Pas toujours. Ils devaient s'en servir pour maintenir leur feu allumé. Il y en a un encore scellé. Tu penses que ça peut exploser? Dans un baril comme celui-là? Ouais. Essayons sur cette porte. Pour de vrai? Ah, ces murs ont résisté assez longtemps. Mais... Je m'y connais pour faire exploser des choses, crois-moi. Là. Tous aux abris. Amicia, tu t'occupes de l'enflammer. Est-ce qu'on est assez loin, là? Oui. Baisse bien la tête, surtout. Oh, oh, ça a marché! C'était bruyant. Tu vois? Ça tient. Allez, venez. Tout ira bien. La porte est en piteux état. Jetons un coup d'œil. Faire exploser cette porte aussi. Encore un baril. Ah, mes oreilles. Bon sang. Tout le monde va bien, je crois. La voie est libre. On y va. Incroyable. Regarde. Il y a des oiseaux ici. Oui, des oiseaux des grottes. Ça veut dire qu'on n'est pas seul ici. Et il n'est pas seul non plus. Exact. Continuons. Et peut-être qu'on le croisera. Si il n'a pas eu trop peur. Oui. La garde de l'ordre, sans doute. On a retrouvé la piste d'Aelia. Elle aimait pas faire de prisonniers. Ils l'ont poussée à bout, j'imagine. Ces marques sur la porte, c'est son œuvre. Ça a dû s'effondrer derrière elle. Comment on ouvre ça? Je crois qu'elle est passée par ici. Regardez, il y a un autre baril de feu grégeois sur le chariot. Oh. Ça a l'air dangereux. Là, une manivelle. Voyons voir. Oh. Elle ouvre la herse.
La charrette va rouler. Eh bien... J'ai besoin de toi, Sophia. C'est comme si c'était fait. C'est parti. C'est ouvert, je crois. Tu sais, je commence à la voir en toi. Aelia. Parce que je suis aussi désespérée qu'elle. Parce que tu n'abandonnes jamais. Ah, bien. Oh, wow. Comment est-ce possible? C'est quoi cet endroit? Cette porte là-bas va vite nous le dire. On devrait pas être ici. Eh ben, on y est. Pour les tenir. Bon, ces bras zéro peuvent être déplacés. Monter sur rail, nourri au feu grégeois. Mana. L'ordre sait comment y faire avec les rats. Bien, voyons voir. Venez ici. Alors, vous avez déjà vu ça avant, à l'autre bout du pont? C'est pas une coïncidence, j'imagine. Non, c'est la macula qui relie tout. Voilà, c'est fait. Hugo, j'ai peur. C'est normal, mais ça va aller. Les pousser. Tu m'aides? Bien sûr. Oui. Allez. Les rails se rejoignent. Changeons de direction. On est en sécurité. Tant qu'on a assez peu. Oui. Tout ce feu grégeois, je comprends maintenant. Oh, le pont est juste après. Mais cette épave bloque le passage. On peut l'enlever? Je sais pas. Il faudrait voir sous un autre angle. Revenons en arrière. Pour nous. Restez avec moi. Attends, ne va pas trop loin. Il commence à faire trop sombre.
doit pouvoir se débarrasser carte de l'endroit. On peut voir les rails et les bras zéro. Pas une carte, un plan. On peut voir les mécanismes. Il y en a d'autres. Là, on dirait le château d'ombrage, Amicia. C'est vrai. C'est la cour avec le système de bras zéro. Et ça, c'est quoi? Encore des plans. Ceux-là ont des noms. Danemark, Constantinople. Et là, on dirait l'Afrique, l'Asie. J'ignorais que l'ordre étendait son influence aussi loin. Ça peut arriver n'importe où. Quoi? La peste. Allons-y. Monte, vite! D'accord. Ouvre-nous la voie, Sophia! Restez dans la lumière! Je sais que je t'ai manqué. Viens, tu peux lâcher. D'accord. Regarde là-bas, il y a un autre baril. Faisons-le exploser. D'épave de chariot. Il n'y a plus qu'à rejoindre cet autre rail. Enfin. Bien joué. Ouais. Continuons d'avancer.
contre les gardes de l'ordre. Je n'arrive pas à croire qu'elle les a affrontés seules. Cette fille devait être une redoutable guerrière. Elle était engagée corps et âme. Et il était tout pour elle. Il souffrait, il était en danger. Elle le savait. Tu sais ce que c'était ? Je sens juste la nuit. Comme dans mon rêve, quand je mourrai. Seigneur, j'espère qu'elle a réussi. Pitié, donnez-nous une piste. Alors ? Protéger un, protéger tous. C'est ce qui était écrit dans la chapelle du fort. C'est elle. Aelia. La protectrice du porteur. Elle leur en a vraiment fait baver. Mais elle est morte seule. Qu'est-ce qu'il y a, Hugo ? Je veux pas que tu meures. Je suis vivante. Je suis vivante. Allez, t'es un grand garçon. Allons donc voir cette porte. Hmm ? Je sais ce que ça fait. De se battre seul. Se battre pour ne pas être seul. J'espère que tu as trouvé la paix, où que tu sois. Tu sais comment on va s'y prendre pour ouvrir ça ? Je veux qu'on parte. Quoi ? Après tout ce qu'on a fait ? Allez. Tu te sens un peu mieux ? Pas trop. Hé, on est tous épuisés. Mais on est ensemble, pas vrai ? Bon. Ouvrons cette porte. J'ai compris. Je peux écarter les barres du chemin pour maintenir la barre. On peut les retenir ici avec cet autre levier. Dis-moi quand t'es prête. Celui-ci ouvre les barres du haut et du bas. Cette chose qui sort du sol, c'est une manivelle ? Je pense que oui. Ça ne tient pas. Évidemment. Sophia, tu peux t'en occuper ? Avec plaisir. Tu peux arrêter maintenant. C'est parti.
Sophia, je compte sur toi. C'est comme si c'était fait. Vas-y, Hugo. C'est bon, arrête. D'accord. Il va nous falloir de l'aide pour ouvrir cette porte. Ça fait bouger les barres du milieu. Je te laisse faire, Hugo. D'accord. J'ai besoin d'un coup de main, Sophia. C'est parti. Tu peux laisser tomber. Avec plaisir. Occupe-toi de ça, Hugo. Oui, tout de suite. J'ai besoin de toi, Sophia. D'accord. S'il te plaît, me laisse plus. Un chariot. Qu'est-ce qu'il fait ici ? Sophia. Tu peux t'en occuper? C'est parti. Il y a un poteau attaché au chariot. Il doit y avoir une raison. Arrête. Avec plaisir. J'ai besoin d'un coup de main, Sophia. C'est comme si c'était fait. Vas-y, Hugo. D'accord. Tu peux laisser tomber. Oui. Ça marche. Une barre de fête. Passons au reste. J'aime pas quand t'es loin de moi. Tu peux arrêter maintenant. C'est parti. Donc, on doit verrouiller les barres de chaque côté.
Elles étaient combien pour manœuvrer cette porte? Il faut y retourner. J'ai besoin de toi, Sophia. Avec plaisir. Hugo, j'ai besoin de toi. Tout de suite. Je pense que c'est bon. On peut lâcher. Arrête. C'est comme si c'était fait. Ça marche. Oui, cette fois on y est. Basilius. Oh, bonté divine. J'aime pas du tout ce que je vois, là. Ça descend. On peut encore partir, Amicia. Non, non, non. On franchira cette porte, tous ensemble. Et... si tu veux faire demi-tour, Sophia, c'est le moment. Allons-y. Je veux repartir. Je t'en prie, Hugo. Respire. Un hydra. Mais l'air est plus épais. Il est là depuis longtemps. Depuis Basilius? Je pense... oh. Je me sens bizarre. C'est ta tête. Il y a du bruit. Courage. C'est quoi ça? C'est pas très accueillant. Allons voir. À courir, au cas où. C'est un pont. Cet endroit, c'est une foutue forteresse souterraine. On continue. Ça a l'air d'aller jusqu'à l'autre bout. Mais il en manque une partie. Oui. Regardez, ici, il y a un passage qui descend. Bon, il est raide, mais... je vois. Ça pourrait faire l'affaire. Je passe devant. Fais attention. Je vais m'y prendre pour les rejoindre. Oh, mais ces chaînes, des contrepoids, ils soulèvent les parties du pont. Que ça marche. Hé, hey, je sais pas ce que t'as fait, mais ça a marché. Ce sont ces chaînes. Elles contrôlent le pont. Allez. Il va lui arriver quelque chose, Sophia. Tout va bien se passer. C'est la jeune fille la plus débrouillarde que je connaisse. C'est vrai. Mais elle est toute seule et ils sont beaucoup. Tu la connais. Elle a déjà fait ça plein de fois, non? Elle est tenace, bien plus que. Oui. C'est terrifiant tout ça. Moi aussi je suis terrifiée. Mais ça veut pas dire qu'on n'est pas assez fort, pas vrai?
vraiment terrifiée. Oui. Mais que ça reste entre nous. Juré. Merci, Sophia. Ah. Amicia, comment tu t'en sors? À merveille. Je me sens encerclée. T'y habitues pas trop. Bien. T'es en sécurité. Pour l'instant. Je t'avais dit qu'elle y arriverait. Contient. Fasse une pause. Non, il vaut mieux y aller. Je suis là maintenant. En route. Je me sens triste. J'ai peur, Amicia. Je sais. On a traversé beaucoup de choses. Mais c'est comme si... s'il y avait quelqu'un dans ma tête. C'est... Basilius? Peut-être. C'est très lourd. J'ai peur. Ça veut sûrement dire qu'on se rapproche. La fin du pont. Oh, il est temps de voir, cette odeur, c'est... étouffant. Non, oh. Oh, c'est mal. C'est très mal. Qu'est-ce qui se passe? C'est là, Amicia. Je veux pas. Mais il le faut. Il le faut. Oh, ça me dit rien qui vaille. Seigneur, on dirait... une cathédrale. Ils ont construit ça pour lui. Alors, il est en bas? Oui. Au cœur de tout ça. Ça ressemble à ce que le dernier seuil provoquerait. Aelia n'a pas réussi à le rejoindre. Et voilà ce qui est arrivé. Et alors? Il s'est passé quoi? Et qu'est-ce qui lui est arrivé? Je veux pas savoir.
Il le faut. Il t'a amené ici. C'est ton héritage. Je veux pas d'héritage. Je veux être normale. Hugo, pour que les choses reviennent à la normale, tu dois vivre. C'est ce que tu veux, mais je continue à tout gâcher. Mais tu ne le fais pas exprès. Tu es juste un enfant. Il y avait des enfants dans la ville rouge aussi. Je sais que c'est dur, Hugo. On se connaît pas très bien, toi et moi. Mais je sais que tu mérites une seconde chance. Même si on doit aller en enfer pour la saisir. Oui. Ma tête... C'est de plus en plus fort. Je veux qu'il sorte de ma tête. On y est presque. S'il se trouve ici, alors ce qui peut te sauver aussi. À quoi ça sert? Si je finis encore partout caché. Arrête. Tu dois me faire confiance. Trésor, je t'en prie, je sais. Non, tu sais pas. Pourquoi tu fais ça? Amicia, viens, je vais te porter. On va le faire ensemble. C'est trop pour lui. Je suis désolée que tu doives subir ça. Je le fais pour toi. Je veux me reposer. Tu te reposeras. Mais d'abord, tu dois vivre. J'ai besoin de toi. J'ai peur de moi. Arrête. Tu vivras. On se battra. On tiendra bon. Allez, viens. Peur de lui, de son pouvoir. Voilà pourquoi ils ont bâti tout ça. Ils ont toujours eu peur. Ils ont tué un enfant. Il a appelé les rats. Ils se sont frayés un passage à travers les murs. C'est le point de départ. De quoi? La peste de Justinien. Il était triste. Il était très triste et en colère. C'est pour ça que la Macula nous a amenés ici. Il doit y avoir quelque chose. Un parchemin, une fiole. Quelque chose. Je vois rien du tout. Aelia, elle a échoué. Amicia. Elle a échoué, Sophia. J'ai entendu. C'est pas juste. Quand je mourrai... Tu ne vas pas mourir. Je ferai en sorte qu'ils meurent tous. Non, Hugo. Il n'aurait pas dû mourir. Quand ils l'ont séparé de sa protectrice, il a perdu espoir. Il a cédé à la Macula et il les a tous condamnés. Il a eu raison. Non, écoute. Si seulement elle avait pu lui dire quelques mots, il aurait su qu'il n'était pas tout seul. Il aurait vécu et épargné beaucoup de vies. Tu comprends? Tu vas vivre. Et moi, je serai là. Je te donnerai la vie que tu mérites. Une vie sans combat. Tu veux ça? On va se trouver un refuge. Ils ont pas vraiment l'air d'accord. Que se passe-t-il? Il faut partir. Avec moi!
va bientôt s'effondrer. Ils sont très en colère. Ignore-les, les cons. Mon seigneur, ils ne ralentissent pas. Tout, tout s'écroule. On peut encore y arriver. On essaye, ils sont sur nos talons. Dites-moi qui sont restés là-dedans. Je crois que ça va. Personne n'est blessé. Hugo ? C'était trop horrible. Oui, je suis désolée que tu aies vu ça. La Macula savait ce qu'elle faisait. La Macula sait s'y prendre avec les enfants. Ils l'ont attachée à des chaînes. Oui, mais toi tu vas vivre. C'est ça le plus important. Non, ce n'est pas le plus important. J'ai peur que tous les gens soient aussi méchants qu'eux. Et j'ai peur de ce qu'ils veulent me faire faire. Tu as raison. Écoute. Il y aura toujours des gens dans le monde pour faire des choses terribles. C'est dans l'ordre des choses. Mais crois en toi et en tout ce que tu peux faire de bien. Il y a des gens comme ça aussi. Pour qui ça compte vraiment. Qui veulent que tu aies une belle vie. Des amis. Comme moi. Les amis, ça sert à avoir envie d'être meilleur. Si tu en doutes, je comprends. Mais aie confiance en moi. Aie confiance en nous. J'ai confiance. On trouvera notre chez nous. Allez, quittons cette île. On a un bateau à récupérer et une mer de rats à traverser avant. Ils ne nous arrêteront pas. Tout est différent maintenant.